Bonjour, je suis Robin Pic, donc le dirigeant de la société SPB Mat, basée à Faye-sur-Lignon, en Haute-Loire. Nous sommes ici sur le site du lac de Saint-Front aujourd'hui pour faire une démonstration et un essai grandeur nature d'une machine un petit peu atypique. C'est une machine à chenilles qui va sur l'eau aussi, donc qui est amphibie. Notre société est de plus en plus connue dans ce genre de matériel et d'engins spéciaux. C'est d'ailleurs le logo, le slogan de notre société, véhicules et matériels spéciaux. Nous sommes spécialistes à la base en matériel d'occasion, de tout ce qui est engin de montagne. Donc que ce soit de la dameuse, que ce soit des engins à roues, des engins amphibies aussi. Voilà, donc aujourd'hui le propriétaire du lac de Saint-Front nous accueille pour faire un essai de notre machine qui est un véhicule Haglunds. Le véhicule Haglunds s'est fabriqué à la base en Suède et celui-là est issu d'une reconstruction à neuf en Allemagne chez une entreprise spécialisée puisque ces véhicules ne sont plus produits en neuf. Cette machine a la particularité d'être multi-usage. À la base, elle est prévue pour transporter des troupes militaires en Sibérie, mais au fil du temps, les armées du monde entier les ont adoptées, notamment pour transporter des troupes dans le désert ou dans différents lieux un peu insolites. Voilà. Donc ça, c'est un véhicule articulé à quatre chenilles motrices. Et donc, quand on va la mettre dans l'eau, la propulsion est uniquement faite par les chenilles. Il n'y a pas d'hélice, il n'y a pas de moteur hors-bord ou autre, c'est juste les chenilles qui la font déplacer. Alors là, ce véhicule, il a été reconstruit à neuf en Allemagne. Et nous l'avons simplement, je l'ai vendu à la collectivité, selon un cahier des charges qu'on a étudié ensemble pour répondre à leurs besoins de surveillance et de secours. Secours lors d'intempéries. Et nous sommes revendeurs de ces matériels-là et nous l'avons préparé aux couleurs de la police municipale, puisque là c'est une police municipale, avec un équipement gyrophare, avec pas mal d'équipements adaptés pour leurs besoins. On a aussi une lame qu'on a enlevée pour l'usage eau, mais qui se greffe à l'avant, pour notamment, en cas d'inondation, pousser de la boue pour dégager les voies pour les passages des pompiers. Vous avez déjà réalisé ce type de... Non, là c'est la première. C'est la première police municipale française à s'équiper d'une machine comme ça. Ces machines étaient connues historiquement par les chasseurs alpins, qui en avaient pas mal d'exemplaires de ces machines, pour des applications sur neige, mais aussi hors France. Et après, les pompiers, il y a certains bataillons de pompiers en France qui en avaient quelqu'une de ces machines-là. Mais c'est la première fois qu'une police municipale s'équipe et avec vraiment un besoin de véhicules amphibies pour aller dans la boue, dans l'eau, pour un usage aussi particulier. À la demande de nos clients, avant la livraison officielle cette fin de semaine, les clients nous ont demandé de la mettre en eau. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais ils nous ont demandé de faire le test malgré tout, quoi. Voilà. Mais la machine est conçue pour, à la base, par construction, elle est prévue pour aller sur l'eau. C'est une machine qui est aussi beaucoup utilisée dans les pôles, pôle nord ou pôle sud, pour des applications sur glace. Mais quand la glace casse, je retrouve dans l'eau et elle est capable d'évoluer autant dans l'eau que sur la glace. Ha ha ha.